Et bonjour tout le monde, c'est Rex Project sur Transport Fever 2 qui vient de terminer de remettre le réseau, pas entièrement à neuf, hein, forcément, mais il n'y a plus la moindre alerte, j'ai donc fini de tout reconnecter. Et c'était parfois un peu prise de tête. Alors, donc l'épisode précédent, on avait fait toutes les autoroutes. Ici, j'ai juste refait les connexions, donc je vais vous montrer. Donc, de ce côté-ci, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, donc ici, la double ligne, j'ai fait un pont un peu plus bas sur toute la longueur. Ici, j'ai fait passer en dessous, sur une très grosse portion d'ailleurs. Me semble, oui, il est là. Non, c'est pas le même. Où est-ce qu'il est? Le rose, donc il fait. Il y a une grosse portion souterraine. Vous pouvez voir ici d'ailleurs, c'est quand même un peu plus léger. Même si ça reste assez plat de spaghettis. Ah, vraiment que je change ces trucs là parce que c'est dégueulasse. C'est vraiment moche. J'ai donc également changé les connexions à Charleroi. Les deux voies ici au centre donc ne servent que au passage des trains de marchandises. Et il me semble que c'est à peu près tout. Ah non, j'ai également changé le terminus de deux trains de passagers ici. Vu que... D'ailleurs, je vais modifier la gare. Vu que j'ai comme qui dirait... Le stand, oui, ça demande pas beaucoup. Vu que j'ai comme qui dirait switché 2-3 voies, j'ai supprimé un trajet d'ailleurs aussi. Enfin, il y a une voie qui restait qui était inutilisée. Et là, ce qu'il va falloir que je fasse, juste vite fait. Avant de relancer et cette fois d'optimiser et moderniser un petit peu en douceur. Tout ce qu'on a, c'est au niveau des voies Eutigny-Pierre-Jouarre. Donc je vais garder laquelle? Je vais garder celle-ci. Il va me falloir... Il va me falloir ceci. On garde les deux à Bierge et à Otigny, on les fait se rejoindre. On va faire se rejoindre ici. Voilà. Ce qui fait qu'on peut faire sauter ceci. Donc il y a une voie de transport de passagers en rab. J'ai une petite idée de ce que je pourrais faire. Mais je ne sais pas si je le ferai tout de suite. Donc là, ce qui compte pour moi d'abord, c'est de modifier ceci. Alors, c'était cette ligne, sa ligne rouge. Le véhicule, on va le changer. On va le mettre... sur cette ligne-ci. Voilà, on est d'accord. Il n'y a plus de véhicule. Sur cette ligne-ci, on va devoir mettre également les... poteaux. J'ai un peu de mal.
Hop. Hop, hop. Ici, par contre, elle va être détruite. Cette ligne-ci est supprimée. Ce qu'il me faut maintenant, c'est retrouver les trains. Parce que c'est bien beau, mais ils vont devoir changer de voie. Tant que celui-ci va rencontrer l'autre, si ça continue. Pierre Jotini. Tu vas être sympa et me laisser faire ça proprement. Donc on a la gare de Tini. On s'arrête à Vierge, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bignou? Pourquoi il se met sur la voie de droite? Tu te mets sur la voie de gauche, espèce d'enquiquineur. Donc c'est Vierge Nord, quai numéro 2. Ensuite, Poivre. Puis tu refais Vierge sur le quai 3. Voilà, on va voir si ça se goupille. Voilà. Et il me faut un feu de plus dans ce sens-ci. Voilà. Voilà, normalement là, ça doit être bon. Ceci dit, cela me laisse du coup ça me laisse une voie qui n'est pas utilisée, une voie de passagers qui n'est pas utilisée. Est-ce que je pourrais l'utiliser ailleurs? Je vais bientôt remettre sur play, hein, mais j'ai envie de réfléchir à ça. Est-ce que je pourrais l'utiliser pour aller vers un autre patelin? Faire un Verviers-Wavre, je pense. Wavre-Namur. On verra plus tard. On verra plus tard. On met sur play. On va voir ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que par contre, il y a un quai qui va être un petit peu bondé à un moment donné. Vu que les gens vont changer. Ah oui, ouh. Sont lesquels? Ah! Fourte! Grotte de Zut de Flûte! Oh non! C'est à Liège. Non, ça devrait se... Il faut des feux, j'y crois pas. Il faut des feux, mais j'y crois pas, quoi, les gars. Et là, du coup, tu vas te mettre en route ou pas? Oui, voilà, merci, au revoir. Bon, ça, en tout, ça m'aura quand même coûté une 60aine de millions. De
faire toutes les modifications, etc. J'ai un peu agrandi les quais aussi ici, hein, bien sûr. Histoire que ce soit un peu moins moche. Le souci étant que je n'ai pas mis ceci. Voilà. Nous avons donc ces trains-là qui passeront ici. J'aurais dû un peu modifier autrement, je pense, mais... Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Donc, Wavre Bierge Tigny, on a deux trains, on est bien d'accord sur ce point. Et il va falloir augmenter leur capacité, je pense. Mais on verra après. Est-ce que ça change quelque chose avec les connexions intervilles, enfin en véhicule privé? Laissons le temps au temps. Bientôt 900 habitants. Est-ce qu'il y en a qui prennent du coup l'autoroute? Destination, le bâtiment résidentiel. Ouais, mais où ça? Alors bon, je viens de voir mon chien qui est affalé dans son coin. C'est original. On pourrait presque croire qu'il s'est pété la nuque. T'es bien installé là, ça va? Ouais, gros pépère. Enfin, gros pépère. Bien, alors ici, comment pourrait-on gérer... Liège-Ostende n'est pas très utilisé. Alors Wavre-Liège, on s'en fout un peu, on dirait. Chaumont-Gistoux. Tiens, je me demande, est-ce que je peux? Ah oui, on peut faire un tram sur le rond-point. Oui, c'est un peu idiot de se demander si on peut, hein, mais... Alors... Qu'est-ce que ça donne? Wavre-Liège, il y en a beaucoup. Wavre-Bierge-Tigny. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. En faire des rails grande vitesse, car je pense changer prochainement les véhicules qui passeront dessus. D'ailleurs, je vais également changer les rails ici. Tant qu'à faire. C'est ok. Ici, ce sont des marchandises, donc je m'en fiche. Bien, est-ce que l'on pourrait faire une autre ligne, donc, comme je l'avais pensé? Bon, déjà ici... Oula, oula, oula. Le Rotini, ça devient quoi? Pierre, je ne reçois rien, mais ça va. Wavre s'agrandit et j'aimerais quand même réussir à l'augmenter au maximum. Enfin, l'augmenter plus. Alors l'express Wavre-Bruxelles, ça m'a l'air... Il n'a pas l'air très utilisé, en fait. Donc je peux peut-être réduire sa fréquence. Alors celui-ci, ça passe. Bruxelles-Ostende, ça passe. Bruxelles-Mons, on s'en fout. Bruxelles-Liège, il y a pas mal. Bruxelles-Liège, on va peut-être le moderniser un peu. Déjà. Bruxelles-Liège. Il y a quand même une certaine attente.
va modifier. Remplacer par un mirage. Voilà, un instant. Voilà, le toutou qui voulait sortir. Ouais. Les différents trains qui se croisent. Alors celui-ci il est relativement plein donc ça va. Alors ici ça donne quoi? 57, donc le ratio sera meilleur. Voyons un peu le temps que ça met. Aussi. Ici. Alors, le Bruxelles-Ostende n'est pas rentable. Il met 7 minutes. Celui-ci il met 5 minutes. Voiture Bruxelles, on s'en fiche. Bruxelles-Charleroi. Ça a l'air d'aller. Bien. Du côté de Wavre, est-ce que je peux avoir plus? Sûrement. Donc les briques, je peux en prendre 278. On va changer ça. 334, sachant que j'ai besoin de pouvoir en prendre jusqu'à 317. Donc ça, ça va. Les briques 334. On amène 322. Et j'en livre 419 ici de la pierre. Donc ça, c'est bon. Je tourne plein pot. Alors l'annexe de Wavre et la halle de Hottigny, je vais devoir changer les trains, je pense. Et mettre quelque chose de plus puissant. Je verrai après. Alors les trams, ça va. Alors la nourriture, je sais pas faire mieux. Parce que ça coince ici. Et je comprends toujours pas pourquoi, c'est ça le problème. Voyons un peu les productions, c'est peut-être ça. Si ça tombe, en fait, c'est juste ça le problème, c'est que je produis... produit trop et le fait qu'il y ait une surproduction. Et peut-être que ça coince, on va voir ça. Voilà. Les trams ça tourne. Passagers, Wavre-Liège, il y a pas mal. L'express Wavre-Bruxelles, maintenant, il est... voilà, quoi. On devrait peut-être tirer un wagon. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Alors, voyons du côté de Hottigny. On va accélérer un peu après, hein. Mais là, j'aimerais quand même d'abord faire ma popote, comme on dit. Donc, du côté de Tigny, la brique et les biens de consommation. Les biens de consommation, par camion, c'est pas suffisant. J'ai peur d'en mettre trop. Oh non, ça va. La brique, ça va. C'est le train qui n'en amène pas assez. Donc la pierre et la brique. Alors, la pierre se trouve où? On est déjà à 60. Non, je me disais bien, ça fait 20 minutes. J'avais complètement oublié que j'étais dessus depuis tout à l'heure. Justement modifier le réseau. Donc la pierre Hottigny, il y a une bonne distance. Donc on va modifier ce train. On va mettre ceci.
91, ça me semble bien. Ça m'en fait 141, ce qui veut dire que les briques, on peut l'améliorer. Voilà, le ratio sera quand même nettement meilleur. Ce qui fait que la ville va recevoir plus. Pourquoi t'as pas tout délivré, toi? Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le train, on dirait. Oh là là, ici par contre l'aéroport. Oh non, ça a l'air d'aller. Les 630 sont utiles. Les bus de Namur ont du mal. Tu m'étonnes. On va donc un peu changer ça. Alors là j'ai fait une bourde. Ça se modernise, hein, à un moment donné, zut, les gars. Voilà, donc les bus de Namur, il n'y a pas assez. Eh ben, ça va se régler. On va les changer. Bon, encore que non, on peut les laisser comme ça. Mais on va en rajouter un. Alors au niveau de Bruxelles, qu'est-ce que ça dit? 140 sur 201, 208 sur 223. Les passagers, ça a l'air d'aller. Le Bruxelles-Ostende, il y a vraiment pas un chat. L'Express Wavre-Bruxelles, ça va. Bruxelles-Charleroi, Bruxelles-Liège, Bruxelles-Mons. Mouais. Et ici, il y a un surplus toujours. Oh là 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 là. Alors. Donc. Il nous faut 223 de pétrole, j'en amène. Qu'est-ce que c'est que ça, le pétrole Bruxelles? Ah oui, c'est pour amener, mais moi ce qui m'intéresse c'est ceci. Carburant, j'en prends 219. J'en produis combien en fait là? Une production de 253. Ce qui veut dire que ici, il me faut encore un de plus. Voilà. Voilà. Alors les bus, les arrêts de bus. Il faudrait un tram à Bruxelles, là. Est-ce que j'ai une double ligne de bus, en fait? Non, j'en ai qu'une. Du coup, je peux faire bus et tram. Sans trop de soucis. La nourriture de Bruxelles, 142 sur 220. La nourriture de Bruxelles, j'en amène 160. Moyenne de 160. Voilà. Le tout, c'est de voir les céréales. 182, ouais, ça va, c'est bon. Ça, c'est bon.
Alors ici, le Liège Verviers n'est pas assez gros. Enfin, c'est pas suffisant, on dirait. Donc on va rajouter un wagon. Seulement pour le moment. On va remettre en accéléré parce que il est temps de se bouger. Ok, Verviers, ok. Ça c'est bon. Alors Liège, c'en est où? 97 sur 154, c'est pas assez. Machine de Liège, 103. Bon, déjà les véhicules sont obsolètes. Ok, ça c'est bon. Et on t'amène combien d'acier? 129 et 134 de bois planche. Dans les 129 d'acier, l'acier il peut en faire plus, je pense. Non, il peut pas. On va devoir modifier ça un peu au fur et à mesure. 300, il peut faire donc 150. Boeing 737, 100. Ah. Donc là, c'est un de marchandises. C'est un peu mieux. Ostende, ça donne quoi? Ouf, ça donne une trop bonne connexion, dites donc. C'est pas dégueu. Charleroi qui a une meilleure connexion. Mais... ouais, c'est quand même pas génial, destination en privé, hein, toujours. Ouais, c'est déjà mieux, je pense, quand même. Wavre-Liège, il y en a beaucoup qui le prennent, vraiment. Express Wavre-Bruxelles, ça va. Le nombre d'habitants diminue. Alors ici. Ah, peut-être que si on finit de vider les stocks. Je ne sais pas du tout. Les céréales, j'en prends moins quand même. Donc, voilà, comme ça, on sait en prendre 399. Je sais pas. L'expédition va peut-être pouvoir augmenter. Train 8, c'est le Hautigny-Charleroi. Charleroi, il n'y a pas grand monde qui le prend, on dirait. Tini Charleroi, il n'y a pas grand monde. Donc on va le modifier. On va mettre ça à la place. Namur Charleroi, Charleroi Liège, Bruxelles Charleroi. Le train de Namur, il n'y a pas grand monde qui le prend non plus. Alors je prends combien de passagers dans ce machin? 68. À du 100 à l'heure, je pense que je vais faire des modifs. On les remplace. Et on va aller les voir.
lorsqu'ils atteignent leur vitesse de pointe facilement entre les deux lignes. Donc, pour faire un omnibus, c'est plutôt tout bénef. Ils prennent 57 passagers, mais ils vont plus vite, donc ça devrait être bon. Véhicule routier 34, ce sont les bus de Bierge. On va faire des modernisations un peu partout, mais c'est pas si facile. Oh, Bierge, bien grand. Bien grandi. 875, ça diminue. C'est... Alors là, il faut que le stock soit à zéro, à mon avis. Il faut vraiment que ça descende. Le problème, c'est qu'ils en amènent chaque fois. Donc ça devient un peu... Celui-ci, on va légèrement le modifier aussi. Voilà, c'est quand même mieux. Alors, les arrêts de bus et tram, ça va. Donc, le Havre Bierge-Tigny. Ah ben, justement, ça met combien de temps maintenant? 4 minutes 114, c'est bon. C'est bon, ça c'est bon. Le train 36, c'est le... C'est le Havre-Liège, ça. Ouais, le Havre-Liège, il y a quand même beaucoup de monde qui le prend. L'express Havre-Bruxelles, il y a plus tant que ça. Sinon, Bruxelles, est-ce que je modernise un peu Bruxelles en mettant un tram? Un petit tram, on en pense quoi? On en pense qu'on va d'abord s'occuper de ceci. Voilà. Ouais, une ligne de tram, ça pourrait être sympa. Voilà. Alors on va être en pause juste le temps de travailler ça proprement. Donc si c'est un tram, je vais le faire aller dans ce sens-là. Donc on aura un arrêt là. Un ici. Un ici. Un ici.
On va également améliorer ici. Voilà. On est bien d'accord, ça aide quand même pas mal. Les bus et compagnie à passer. Alors on ajoute une ligne. Tram Bruxelles. On va aller prendre le dépôt de tram. Dépôt qu'on va mettre ici. Et on va acheter... Ben on va prendre le Mirage. Je pense que ça peut être assez chouette. 60 km/h, 27... Oui, 60 à l'heure en plus en ville, comme ça il fera pas de bouchons pour l'instant. Alors pourquoi ça ne veut pas... Ah oui, oui, oui. Bruxelles, il y a juste un truc que je vais devoir changer, je pense. Voilà, c'est que la centrale, je veux que ce soit sur le quai numéro 2. Voilà. Voilà. Et voyons quoi il ressemble, du coup. Oh, il est chouette. Il a une bonne boule. Voilà, ce faisant. Des feux rouges que je vais devoir dégager, sinon ça va devenir invivable. Et il est déjà plein au premier trajet, ok. Ça me va. Bien, bien, bien. 490 000. Oh, on est bientôt demi-million. Voilà, demi-million, demi-milliard. On sent. Alors du côté de Mons, le train c'est toujours un peu pourri. Alors c'est marrant, il y aurait qu'ils font la course. L'autre là vient d'arriver, le Wavre-Liège qui repart à plein. Alors les bus de Charleroi sont engorgés, c'est normal. Également changer des rues. Je crois qu'on va d'abord commencer par changer quelques rues dans pas mal de villes. Alors ici je peux pas.
C'est clair que si certaines rues sont trop rikiki comme ceci, ça ne va pas aider. Là, les autoroutes sont pas mal utilisées, mine de rien. Ici, ça donne quoi? Ouais, ça va. Alors, Bierge. Ah, voilà ce que j'espérais. 1970. Bien, bien. On va pouvoir faire quelques petits changements. J'attendais justement d'avoir des bateaux plus intéressants. Parce qu'ici... Ah oui, Anvers, c'est vrai. Il faut que je l'augmente. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Donc les machines 62. Oh, les outils 50. Les outils, on va le changer. Ça devrait augmenter. Voilà. Machine, on va en dupliquer un. Voilà. Par avion, les machines... non, l'acier et les planches... Oui, en fait, le problème, c'est ça. Ici, les outils, ben... Le problème, c'est que le train ne sait pas, il en prend pas beaucoup plus. On va modifier ce train-là. Et là, on va mettre une diesel. On va mettre 1, 2 comme ça, 1, 2, 3... place. Voilà, il peut quand même faire beaucoup mieux, enfin beaucoup trop même. Donc en fait, on va quand même faire ça. Voilà, 211, ça fait une centaine, ce qui est bon, ce qui est bon. Alors, les passagers, vu que les bateaux sont jamais pleins, on va les changer. Et on a l'hydroglisseur. Le SRN6 est une version plus grande de la série SRN5 et est aujourd'hui l'hydroglisseur le plus produit et le mieux vendu au monde. Vitesse max très élevée mais capacité légère. C'est ça qui m'intéresse. Et il coûte pas cher par an quoi, par rapport à l'autre. Voilà. Donc déjà ça, c'est fait. Toi. Oh, le bruit quoi. Oh, vous entendez ça? Ah, ah mes oreilles. Voilà. Il fait les trajets en combien de temps? 16 minutes et 22 minutes, c'est quand même pas si rapide que ça. On va voir. Le récit. Knock Ostend. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui attend? Non. On va le remplacer. Voilà. Ce qui fait que le Knock Ostend, il le fait en 13 minutes, ça passe. Les véhicules routiers. Les bus de Knock. On va faire ville par ville, je crois. Ce sera mieux. Je regarde le timer. Oui, ça va, on a encore un bon quart d'heure. Alors, c'est vrai, j'avais un train qui pouvait faire du... C'est du combien? Du 200, je crois, ce machin-là. Mais je n'ai pas encore de wagon pour en faire cette vitesse, donc c'est pas utile. Cependant, on a un nouveau bus.
Le MAN SL192, un bus urbain standard produit en très grand nombre. 80 km/h au lieu de 70. Je cherche même pas. Ouais, c'est nettement mieux. D'ailleurs, le trajet Wavre-Chaumont, 127 secondes. Les trajets en train, du coup, ils sont de combien? Bon, 4 minutes, c'est très bon. Ah, il y en a un qui n'est pas plein, c'est étonnant. 7 minutes l'express, 7 minutes le Wavre-Liège. Ok. Mais l'express est plein maintenant. Pas plein. Comment cela se fait-ce? Ah, ça a monté ici. Bon, apparemment, il y a quand même un peu de mal avec les briques. Ah non, il transporte 321. Et l'autre amène 380, peut amener 383. Par an. Non, ça a l'air d'aller. 118 habitants, ça monte, ça monte. Et quel routier 11? Bien, ici à Wavre, ça a l'air d'aller. On va regarder à Bierge. Ça allait, je crois. Je les ai changés. Non, je les ai pas encore changés. Voilà. Alors les bus Tini, ça a pas l'air d'être génial. Je suis même étonné. Alors, Namur. Les bus de Namur, ça donne quoi? Ça donne qu'on dirait que la ville a un peu de mal quand même. Plutôt, il y a des engorgements. Alors, on a la rue Jacques Coeur.
Voilà. Voilà. Ça devrait aider un chouïa. Les bus de Verviers. Alors Verviers est alimenté, mais pas suffisamment, on dirait. Agrandir de nouveau les rues, surtout la rue principale. Pourquoi il veut pas? Cause de ça? Non. Ouais, par contre, je peux faire ça. Voyons, tiens, justement. Donc, Verviers. Le carbu Verviers, il en amène 178. On peut en avoir plus. Les outils, 229. Ça va. Ok. Le carbu, il vient d'où? Le raffiner, c'est pas suffisant. Alors c'est surtout là ils en font. En fait, ils en font pour 230 environ. Il est temps de changer de locaux. De wagon. Cent quatre-vingt-quinze, c'est mieux. Alors, la nouvelle loco, par contre, j'ai pas regardé ce que ça valait. Donc, c'est une nouvelle électrique, c'est la BR-103.1. Lourde locomotive électrique à 6 essieux, destinée au transport rapide de passagers, a longuement constitué le fleuron des chemins de fer allemands. À son époque, elle était la plus puissante locomotive en une seule pièce du monde. 200 à l'heure quand même. Mais j'ai aucun wagon qui permette d'encaisser cette vitesse. En marchandise, je sais même pas si on peut aller plus haut que ce 120. La BR-218, ah, une nouvelle loco diesel, c'est cool ça. Ah, alors les bus Verviers, dans Navette-Gare Verviers. Voilà. Qui s'agrandit quand même pas mal. Et le bus standard
On va les modifier quand même aussi. Y a pas de raison. Alors, Ostende. Le Liège Ostende, ça a l'air d'aller quand même. Dans un sens, du moins. Alors, lui est toujours plein. Par contre, oui, Liège, il y a un souci, je pense. Ouais, à ce niveau-là. Bon, le bus de Liège, il est quasiment pas utilisé, mais on va le remplacer. Voilà, 5 minutes le trajet, c'est quand même mieux. 4 minutes pour les autres, mais bon. Consommation Liège par camion, il en faut 192. Pas assez de camions. Voilà, 172, 180 pour... Ça va. Ça va, ça va, ça va. Ce que je veux savoir, c'est les biens de consommation. Par train, il y en a une 111. Ça va. J'ai pas de quoi en faire une maladie. Et pourquoi la construction est impossible en fait à certains endroits? Étrange. Bon, pas grave. Voilà, ça c'est bon. Ouais, il y a de la vie là. Sympa. Alors, donc Bruxelles maintenant ça donne quoi? Qualité d'attente. Vous fichez de moi. Vous fichez de moi. Alors, les bus. Une bonne fréquentation, mais c'est peut-être un peu excessif. On va en retirer deux. On va dupliquer le tram. Voilà, ça devrait aller. Alors, Chaumont-Gistoux, ça donne quoi? Les bus Chaumont-Gistoux et Wavre-Chaumont. Fait un truc séparé. Oh, ça c'est ma faute. Bah si, y en a un. Ah d'accord. Voilà, c'est quand même déjà mieux. Du coup, c'est le Wavre-Chaumont qui est fort utilisé. Bon, pas grave. Hein. Les bois verriers par camion, à tout arrange, on s'en fiche. Et je comprends toujours pas pourquoi ça monte pas plus. C'est honnêtement, ça me...
coup, il a 217. On va lui rajouter juste un. La nouvelle Gigel, c'est quoi? 140 km/h. Grande locomotive diesel monomoteur a été conçue pour desservir des lignes de taille moyenne. Ok. 268. Bah, tu peux aller plus haut, hein, mon gars. Une nourriture, tu peux y aller, hein, faut pas. Voilà, là par contre, ça va y aller. Alors, on va tout doucement s'arrêter. J'ai fait globalement ce que je voulais. Les bus de bière, c'est toujours un peu. Ah non, ça va quoi. Voilà, les arrêts ici avec les omnibus, ça tourne bien. Celui-ci sera bientôt changé, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est en déficit ou pas? Tournée Chaumont. Je vais le changer. Ça va diminuer, hein, ça c'est clair. L'acier en verre, c'est en déficit pour l'instant. J'aurais peut-être besoin de deux aérodromes. Ouais, il me faudrait une deuxième. Faudra une deuxième portion. Parce que des planches, il y en a un paquet, mais l'acier, ça veut pas. Malgré ça, Anvers a déjà grandi. Alors la navette Anvers. On va la changer. Là, ça a l'air d'aller. On est en 72 seulement. Tram 8, c'est à Wavre, mais ça je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche pas, mais voyons les émissions, comment ça se passe. Voilà, c'est carabiner sur les avions. 923, donc Wavre, ça va, mais j'arrive pas à avoir. J'arrive pas à faire monter. Et ça, je comprends toujours pas pourquoi. J'en ai en stock, il les produit pas assez vite ou quoi? C'est ça que je comprends pas, parce que le point de vue nourriture... Non, non, 333. Donc ça va. Bref, alors... Les lignes au sol qui sont en déficit, les consommations de tini par camion, pétrole raffiné de bière et plastique, ok. Et les trains, ouf, d'accord, Namur Charleroi, consommation de tini, et c'est tout. L'express Wavre-Bruxelles 4630. Voiture Bruxelles 4 millions MD. Le Wavre-Liège 2 422 seulement. Mais je suis quand même à l'abri du besoin largement. Et
autoroutes commencent à être utilisées quand même. Ça, c'est chouette aussi. Parce que ça a augmenté. Oui, ça a augmenté. Pas beaucoup, mais ça a augmenté. 160%. Oh la vache. 370% de bonus. C'est assez fou. Tini Namur, Tini Charleroi. Faut vraiment que je vois quelles sont les lignes que je vais devoir modifier, peut-être désaffecter. Bruxelles Charleroi, y a pas un chat quoi. En même temps. Bah 5 minutes de trajet, ça va quoi. Mais on va modifier le véhicule malgré tout. Voilà. Ce qui fait que d'ailleurs, le trajet se fait. Je regarde du mauvais côté. 5 minutes, mais ça va. Bruxelles-Liège et Bruxelles-Ostende ne sont jamais pleins, on dirait. Je vais le modifier également. Moi, je peux mettre celui-là. On va le mettre en livrée verte. Parce que pourquoi pas? Oui, assez de passagers pour remplir. Et ça va probablement s'améliorer avec le temps. Voilà. Et on va s'arrêter là. On est donc début des années 73. J'ai hâte d'être quand même plus loin. Années 80, ce genre de choses. Les réseaux d'avant ne tournent plus aussi bien. Donc il faudra voir. Il faudra voir comment je change ça. Ça monte. Je sais pas, là je comprends vraiment pas, donc. On verra bien. Bref, voilà. Alors les prochaines étapes. Par contre, ça c'est une bonne question, parce que là, bah, tout est connecté. Ça va nous être continuer à optimiser les villes qui sont alimentées. Dorverviers qui est très bien. Ostende, ça va. Liège, il faut vraiment que je réussisse à améliorer ça. Bruxelles, il faut que je l'augmente aussi. Bruxelles-Mons, il n'y en a pas beaucoup. Je devrais peut-être essayer de relier Mons au réseau routier. Moi non. Non, ça va. J'ai d'ailleurs chaud mon gistouf à quelle taille? 465 et ça monte. 239, je suis très content. Voilà, donc prochaine étape, cette fois ça va juste à chaque fois être de modifier, renouveler, optimiser. Je ne pense pas qu'on créera de nouvelles lignes tout de suite. J'aimerais une nouvelle ligne de passagers depuis Wavre vers ailleurs. Wavre-Verviers peut-être. Ce qui pourrait donner une nouvelle ligne rapide. Mais Wavre-Verviers... Faudrait que je prenne le train qui part de là. C'est ça le souci. Ou alors si je suis la ligne... Wavre... Bierge... Otigny...
Verviers. Avec un train rapide. Ok. Je vais noter ça quelque part. Donc, Wavre. Vierge. Tigny. Verviers. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. Au moins, comme ça, on a un nouvel objectif. Donc, on essaiera de faire une ligne omnibus rapide entre ces quatre villes. Je pense que ça piquera des passagers à Bierge et Otigny, mais pas complètement. Vu que... comment dire? Vu que... Que je vais quand même regarder un truc, c'est si je sais faire comme je veux, parce que c'est ce sera cette voie là. On a les ponts de béton qui sont dispo. Oh génial. Ah oui. Et est-ce qu'on peut... Ah non, c'est ultra moche. C'est ultra moche ça. Ouais. Je regarde quand même déjà maintenant, hein, parce que c'est pas le genre de choses que je vais faire au pifomètre. Des modifications de ligne, mais je le ferai, j'ai une petite idée. Si je le fais passer comme ça, que je mets celle-là en parallèle et puis que je réussis à faire une séparation propre des deux lignes, ça ira. Mais enfin, on a les ponts qui permettent d'aller plus vite, génial. Et c'est bon, justement, pour... Du coup, en Asie, je sais que je pourrais avoir la ligne rapide comme ça. On va pouvoir modifier les lignes. Bah en fait voilà, aussi une chose à faire, c'est modifier bien sûr les tracés, qu'ils soient plus harmonieux, plus beaux, surtout les trains rapides, parce que là c'est immonde. Le Wavre-Liège commence à être assez gonflé. Bon, je mets en pause. Voilà, sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.